Parlons donc de cette fameuse campagne, la fameuse campagne qui est la plus importante de toutes, celle que je vous montrerai en premier dans ce programme Vendre par email et celle que je vous recommande d'utiliser en premier dans ce programme Vendre par email. Donc maintenant, vous allez avoir besoin de certains outils pour que cette campagne puisse fonctionner. Le premier outil, il est technique. Vous allez avoir besoin d'un autorépondeur. Autrement dit, vous avez besoin de davantage que juste un script de gestion de mailing list. Et de toute façon, vous verrez dans le chapitre de formation secret du marketing par email que je vous recommande pas d'envoyer des newsletters à partir de votre propre site ou à partir d'un logiciel d'envoi comme Sarbacane, etc. Je vous recommande vraiment de faire appel à un prestataire comme ceux qu'on recommande dans le module 1, Aweber, Prometi, iContact, LG Autorépondeur et d'autres outils. D'accord? Donc, vous devez avoir un système d'autorépondeur, autrement dit un système qui est capable de lui-même d'envoyer des emails dans une séquence à un prospect qui vient de s'inscrire sans que vous ayez besoin d'intervenir personnellement. C'est indispensable. Ce qui veut dire que si actuellement vous avez déjà une mailing list de, je sais pas, plusieurs milliers de prospects, mais qu'elle n'est pas sur un système d'autorépondeur et qu'il vous faut une intervention manuelle pour envoyer les mails, vous allez continuer à exploiter cette mailing list. Vous allez continuer à leur envoyer des mails individuellement à la main quand vous faites une promo, mais je veux que pour les nouveaux prospects qui rentrent chez vous, ces nouveaux prospects-là, vous les fassiez rentrer sur un autorépondeur. Donc, il va vous falloir faire un choix, trouver un prestataire parmi ceux que je vous ai conseillé et recommandé, et que tous vos nouveaux prospects, au lieu de les rentrer sur l'ancien système, vous les fassiez rentrer sur un nouveau système. Et croyez-moi, ça a été difficile pour moi quand j'ai migré ma mailing list de 40 000 prospects en disant, OK, je vais mettre tous les nouveaux prospects sur Aweber, mais les anciens, je ne pouvais pas utiliser Aweber pour leur écrire. Mais très vite, dès que j'ai eu mes premiers 2 500 prospects sur Aweber, comme ce sont des prospects plus frais, plus récents, les 2 500 nouveaux sur Aweber me rapportaient plus que les 40 000 anciens sur un autre service. Et si vous faites dès maintenant l'investissement, c'est quand même 14 euros par mois de vous inscrire sur Aweber ou sur un autre service semblable. Si vous faites cet investissement maintenant, ça vous rapportera beaucoup à l'avenir, rien que, ne serait-ce que par cette campagne qu'on va appliquer sur cette mail. Donc, techniquement, il vous faut un autorépondeur. Deuxièmement, sur votre site, il va vous falloir tout simplement ce que je vais appeler un bonus de syndication. Si vous avez participé à ma formation C'est Dieu le client, vous connaissez déjà ce concept, mais je vais récapituler. Le concept du bonus de syndication, il s'agit de contenu, il s'agit d'un cadeau, entre guillemets, que vous offrez à votre prospect et qui donne envie d'acheter votre produit et service. Donc, je vais revenir sur le bonus de syndication dans un autre chapitre de la formation, mais le bonus de syndication, c'est tout simplement un livret PDF ou une vidéo que vous offrez au prospect en échange de son adresse email. Ce qui va être très intéressant avec ce bonus de syndication, c'est que je veux que vous fassiez un bonus de syndication qui soit en fait une passerelle. Et je vais vous montrer concrètement ce que j'appelle un bonus de syndication passerelle. On va aller ensemble sur un de mes sites internet qui constitue une démonstration de l'application de cette campagne. On va aller sur ce site. Voilà, on est sur le navigateur. Alors, il s'agit d'un site qui vend mon livre, C'est dur en 5 secondes, qui est justement l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure quand on a fait le petit calcul. Et on peut recevoir la vidéo gratuitement en se connectant ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais demander à recevoir la vidéo gratuitement. Voilà, je n'ai pas envie de rencontrer un ami. Je vais arriver sur cette page. Voici, cette vidéo est un bonus de syndication passerelle. Autrement dit, bonus de syndication, parce que c'est ce que j'offre à mon prospect en échange de son adresse email. C'est ce que je peux proposer à un partenaire d'offrir à ses prospects en échange du fait que ses prospects à lui me confient leur adresse email. Donc, c'est un bonus de syndication. Maintenant, c'est un bonus de syndication particulier. Il ne s'agit pas de n'importe quelle vidéo et il ne s'agit pas de n'importe quel livret de PDF. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi au hasard parmi tout ce que je pouvais proposer. Je vais vous faire entendre un petit peu ce que dit le début de la vidéo et vous allez comprendre très rapidement à quoi sert ce bonus. Je suis Sébastien Nike, expert en séduction. Comme promis, voici une vidéo où je vais partager avec vous des conseils concrets pour vous aider à aborder une femme qui vous plaît et à la séduire pour pouvoir sortir avec elle. Vous allez voir dans cette vidéo qui a été tournée
par des journalistes. En fait, il s'agit d'un reportage effectué par la chaîne de télévision française TF1. Un reportage qui a lieu dans un de mes séminaires, puis un de mes ateliers. Et vous allez me voir donner des conseils concrets pour vous aider à séduire. Au début... Donc, il s'agit pour le moment d'une introduction à la vidéo en question. Vous allez voir comment faire pour aborder une inconnue. Et vous allez voir aussi une séquence de caméra cachée où l'équipe de journalistes me suit, moi et un de mes élèves, David, dans une séance d'approche. Et vous allez voir concrètement comment je corrige les approches que fait David et comment il progresse très très vite grâce à mes conseils pour réussir à prendre un numéro de téléphone et obtenir un premier rendez-vous. Quand vous avez fini de regarder cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous pour que je puisse vous envoyer gratuitement un livre qui répertorie mes conseils, les conseils que vous allez voir dans cette vidéo ainsi que d'autres conseils pour vous aider à mieux aborder. Voilà. Pourquoi est-ce que ce bonus de syndication est un bonus passerelle? Parce que dès le début, avant le contenu réel de la vidéo, j'ai rajouté une introduction où je dis aux gens, voilà ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, donc c'est pour leur donner envie de la regarder, et où je leur dis, dès que vous aurez fini de regarder la vidéo, cliquez juste en dessous pour découvrir, et ensuite on va parler tout à l'heure de votre offre, d'accord? Donc c'est, je leur propose en fait de regarder la vidéo maintenant et de cliquer ensuite en dessous pour découvrir mon offre. Donc c'est une passerelle parce que j'ai mis mon vrai contenu de la vidéo en sandwich entre une introduction et une conclusion qui disent « Quand vous avez fini, n'oubliez pas, allez voir la suite. » C'est extrêmement important. Si à l'heure actuelle vous donnez un quelconque bonus de syndication, ce n'est pas suffisant. Il va falloir que vous rajoutiez une introduction et une conclusion qui en fasse une passerelle. Donc ça veut dire que dans l'introduction, il va falloir annoncer ce qui vient et leur dire de cliquer à la fin sur le lien ci-dessous. D'accord ? C'est extrêmement important pour que cette campagne fonctionne correctement. Alors vous noterez, et c'est très intéressant, vous noterez que ici j'ai mis un bouton et un lien. Donc comme ici j'avais dit dans la vidéo, j'ai dit vous cliquez sur le lien ci-dessous, je suis obligé de mettre aussi un lien texte. Ne faites pas l'erreur de dire bouton alors que c'est un lien ou lien alors que c'est un bouton, les gens vont se sentir perdus alors que pourtant c'était clairement indiqué. Donc je mets les deux et je vends aussi sur cette page la fameuse page suivante. Mon premier élément de syndication est indispensable, c'est un bonus de syndication passerelle. Vous allez avoir besoin ensuite, et ça peut être une vidéo, et ça peut être aussi une simple page de texte avec des conseils. Par exemple, il y a un expert américain très connu dans la même thématique, d'ailleurs le conseil amoureux, qui lui, sur sa page, il dit en échange de votre adresse email, écoutez, mettez votre adresse email, je vais vous révéler comment savoir si une femme veut vous embrasser ou pas. Et une fois qu'on a mis l'adresse email, il va avoir une très courte page qui révèle effectivement un test, voilà, toucher ses cheveux ou je sais pas quoi, bref, un truc qui dure 3-4 paragraphes. Et en dessous, il va dire « Cliquez ici maintenant pour découvrir la suite ». Et quand on clique pour découvrir la suite, on arrive sur une offre exceptionnelle. Et si possible, je vais vous demander d'avoir une offre d'essai. Pour quasiment tous les produits et services, vous pouvez créer une offre d'essai, donc qui va être sur une page différente. Et sur tous les produits et services, vous pouvez en général réussir à intégrer une offre d'essai. Mon objectif, c'est que sur cette page-là, vous proposiez à quelqu'un de tester votre produit ou service. Alors, voici différentes façons de faire une offre d'essai. Vous pouvez faire une offre comme celle qu'on va voir ensemble dans un instant qui va avoir lieu sur la page suivante. Quand on clique, quand je clique pour voir la suite, je vais arriver sur une page avec à nouveau une vidéo. Et cette fois-ci, dans cette vidéo. Salut, c'est à nouveau Sébastien. Cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais vendre mon livre en disant, écoutez, vous pouvez obtenir ce livre. Voilà, hop. Je vais vendre ce livre en disant, écoutez, vous pouvez obtenir le livre sans rien payer aujourd'hui. Donc, c'est une offre d'essai. Je teste le livre. D'accord? Voilà. Si le livre me plaît, je réglerai. Et là, en fait, c'est paramétré. Ça affiche toujours 15 jours après la date à laquelle on a visité le site. Donc, en fait, c'est automatisé. Et donc, pendant 15 jours, vous n'êtes pas débité et vous êtes débité 15 jours plus tard. Okay? C'est une façon de faire une offre d'essai. Une autre façon de faire une offre d'essai, c'est de dire aux gens, envoyez un chèque. Et si vous envoyez un chèque, le chèque, on ne va pas le débiter avant 15 jours ou avant 10 jours ou avant un mois. Une autre façon de faire un test, c'est de dire aux gens, vous avez une garantie absolue de satisfaction. Si vous n'êtes pas content, vous êtes remboursé. Encore une autre façon, ça serait de dire, voilà, on travaille jusqu'à satisfaction totale et donc... si jamais il faut qu'on vous soumette des, par exemple pour les graphistes ou les gens qui font ce genre de service, dire on travaille jusqu'à satisfaction totale, on vous soumettra les exemples jusqu'à ce que vous soyez satisfait, qu'on puisse avancer ensemble sur le projet.
Donc, votre objectif ici, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous améliorez votre offre actuelle. Dans le module 1, on a vu ensemble qu'il vous fallait une offre irrésistible. J'insiste encore une fois, il faut vraiment que cette offre soit irrésistible. Et souvenez-vous, par définition, une offre irrésistible, ça veut dire qu'on annonce 8 fois plus de valeur que le prix demandé. Donc, premièrement, votre offre doit être irrésistible. Deuxièmement, faites jouer dans cette offre une garantie ou faites jouer dans cette offre un moyen de juste essayer votre produit ou service. D'accord? Je ne veux pas qu'il s'agisse d'une offre classique, écoutez, achetez mon produit. Faites quelque chose qui sorte de l'ordinaire, qui soit vraiment irrésistible pour le client sur cette seconde page. Vous mettez en scène votre garantie, mettez en scène votre produit pour qu'on comprenne qu'on peut l'obtenir avec une offre exceptionnelle. Donc, ici, sur la page en question, il s'agit d'une vidéo de vente. Ce que vous allez retrouver ici, c'est un message qui continue ce qu'on a vu préalablement et qui va proposer mon livre. Ça commence comme ça. Comme vous avez pu le voir sur cette vidéo de reportage de TF1, la raison pour laquelle mes conseils de séduction fonctionnent, c'est parce que ce sont des conseils concrets basés sur mon expérience pratique sur le terrain et non pas sur des théories farfelues. Et la raison pour laquelle j'ai cette expérience concrète et pratique, c'est parce que j'ai été un ancien timide avant de décider un jour de vaincre cette timidité. Et donc voilà, j'ai fait tout simplement un pivot, j'ai articulé cette vidéo avec celle d'avant et j'enchaîne sur mon message de vente. Et ensuite, voilà, c'est juste le message de vente, je propose en fait d'acheter le livre, je décris le bouquin, etc., etc. Et ensuite, on a le formulaire de commande. Donc, ce que vous allez concevoir, c'est ici sur cette page de l'offre exceptionnelle d'essai, c'est tout simplement démarrer en donnant suite à ce qui a été dit sur la page précédente. Et ensuite, enchaîner sur votre offre commerciale. Alors maintenant, si jamais votre activité ne vend pas directement sur Internet, si vous avez besoin que le client visite votre local, que le client vous écrive, que le client vous sollicite dans une consultation téléphonique, c'est encore plus facile que si vous vendez quelque chose. Parce que justement, sur cette page, puisque vous faites une offre exceptionnelle d'essai, vous pouvez proposer au client une consultation téléphonique gratuite. Alors, le client, lui, il appelle pour avoir une consultation téléphonique gratuite et c'est là que vous allez pouvoir l'accrocher et lui vendre ce que vous avez à lui vendre.